dans ta vie. You've regretted so many things in your life. Tu as regretté beaucoup de rendez-vous auxquels tu as pris part dans ta vie. You regret many appointments you took part in your J'ai life. J'ai une bonne nouvelle pour toi. I have a good news for you. Tu ne regretteras pas d'être ici ce soir. You shall not regret of being here tonight. Tu ne regretteras pas. You will not regret. Il y a un rendez-vous avec la destinée ce soir. There's an appointment with destiny tonight. Je vais lire un texte dans la Bible. I'll read the Bible. Et je vais parler ce soir. And I'll speak tonight. D'un sous-thème. Of a sub-theme. Un sous-thème. Sub-theme. Que j'aime beaucoup. That I love so much. Mon sous-thème est une question. My sub-theme is a question. Qui s'adresse à toi et à moi-même. That is talking to you and I. Où passeras-tu l'éternité? Where shall you spend eternity? Aide-moi à dire à ton voisin. Help me to tell that to your neighbor. Aide-moi à poser une question à ton voisin. Help me to ask a question to your neighbor. Dis-lui, voisin. Tell him, neighbor. Où? Where? Passeras-tu? Shall you spend l'éternité? The eternity. Cherche quelqu'un d'autre. Look for someone else. Pose-lui la question. Ask him that question. Assure-toi que tu as posé la question à quelqu'un. Assure yourself that you ask a question to somebody. Dis-lui, voisin. Tell him, neighbor. Où? Where passeras-tu? Shall you spend l'éternité? The eternity. Le monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ça, Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Saint Jésus ne passe pas. Réfléchis à ça. Think about that. Je sais. I know. Qu'aujourd'hui. That today. On ne dit pas beaucoup aux gens. We don't tell many things to people. Et je sais. And I know que l'homme that man de ce siècle of this ne veut pas entendre don't want to hear que le monde va passer. That the world is going to pass. Mais tu sais, but you know, le monde va passer. That the world is going to que pass. Tu le crois ou pas, let you believe it or not, le monde va passer. The world is going to pass. Le monde va passer. The world is going to pass. Le monde va passer. The world is going to pass. Le monde, the world dans lequel nous vivons, where we live, prendra fin un jour. Shall take an end one day. La vie, life, que tu possèdes, that you possess, prendra fin un jour. Shall end one day. Ce voyage, that ce voyage, that journey, dans lequel tu entrais, where you entered, depuis le jour de ta naissance, till the day you were given birth, prendra fin. Shall end un jour. One day. La vie sur la terre, life on earth, n'est pas éternelle. It's not eternal. Elle est éphémère. It is ephemeral. Passagère. It is just by passage. Un peu de temps. Just for a little time. Un peu de temps. For a little time. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Let me to tell someone tonight. Cette vie, this life, durera. Shall last for un long. Peu de temps. Just for a little time. Je le sais. I know. Parce que la Bible le dit. Because the Bible say it. Et permettez-moi de lire. And permit me to read. Deux textes dans la Bible ce soir. Two texts in the Bible tonight. Je rends grâce à Dieu. I give thanks to God. Pour mon fils qui vous a préparé. For my son who prepared you. Je sais qu'une puissante exhortation est sortie ce soir. I know a powerful exhortation came out tonight. Je sais qu'une puissante exhortation est sortie. A powerful exhortation came out tonight. Parce que Dieu, because God, est en train de susciter une génération. He's just from taking a generation. Tu es en train de susciter une génération de guerriers. A generation of warriors. Le Cameroun sera moissonné. Cameroun will be harvested. Ta Bible avec moi. Open your Bible with me. Dans le livre de Marc au chapitre
8. In the book of Mark chapter 8. Je vais lire un seul verset. I'll just read one verse. Le verset 36. Verse 36. Ouvre ta Bible. Open your Bible. La Bible est la parole de Dieu. The Bible is the word of God. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. And there is something that God cannot do. On vous a dit que Dieu peut tout faire. So that God can do everything. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. There is something that God cannot do. Dieu ne peut pas mentir. God cannot lie. Dieu ne peut pas mentir. God cannot lie. Dieu ne peut jamais mentir. God can never lie. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? What will a man gain if he wins the entire world and lose his soul? Et que servirait-il? What will it serve? Quel serait le profit d'un homme? What will be the profit of a man? Quel serait le bénéfice d'un homme? What will be the benefit of Quel a man? Quel serait le bénéfice d'un jeune homme? What will be the benefit of Quel a young man? Quel serait le bénéfice d'une jeune fille? What will be the benefit Quel of Quel serait young le bénéfice d'un riche? What will be the benefit Quel serait le bénéfice d'un pauvre? Quel serait le bénéfice d'un intellectuel? Quel serait le bénéfice d'un analphabète? The benefit of an illiterate? Quel serait le bénéfice d'un citadin? D'un citadin. Of a citizen. Quel serait le bénéfice d'un villageois? What would be the benefit of a village man? Quel serait le bénéfice d'un homme âgé? What would be the benefit of an old Quel man? Quel serait le bénéfice d'un petit enfant? What would be the benefit of a young, of a little boy? S'il gagnait tout le monde. If he wins all the world. Si sa vie sur la terre. If his life on earth. N'était que plaisir. Was just happiness. Et qu'à la fin. And then at the end. Son âme se retrouvait en enfer. His soul is found in hell. Quelqu'un vous a dit que l'enfer n'existe pas. Someone told you that hell does not exist. Je sais qu'il y a des gens qui enseignent que l'enfer n'existe pas. That thing that hell does not exist. Je sais qu'il y a des gens qui enseignent que l'enfer n'existe pas. That heaven does, hell does not exist. Je n'ai rien contre vous. I have nothing against you. Mais permettez-moi de vous dire. But you need to tell you. Avec beaucoup de respect. A lot of respect. Que vous n'avez pas bien lu. That you have not read very well. Yes. Vous n'avez pas bien lu. You did not read very well. Permettez-moi de vous dire. Permit me to tell you que vous n'avez pas bien lu. That you did not read very well. Permettez-moi de vous répéter. Permit me to repeat again. Que vous êtes en erreur. That you are in error. Vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. You don't know the love of God. Et la jalousie de Dieu. And the jealousy of God. Yes. Ma Bible parle. My Bible talks about d'un enfer, a hell, et d'un paradis, and a heaven. Ouvre ta Bible avec moi dans Luc. Open your Bible with me in Luke, au chapitre 16. Chapter 16. La Bible n'est pas un livre d'histoire. The Bible is not a history book. La Bible est un livre de vie. The Bible is a book of life. La Bible n'est pas la parole des hommes. The Bible is not the word of men. La Bible n'est pas européenne. The Bible is not European. Ah, la Bible n'est pas européenne. The Bible is not European. La Bible n'est pas américaine. The Bible is not American. La Bible n'est pas américaine. The Bible is not American. La Bible n'est pas africaine. The Bible is not African. La Bible est divine. The Bible is divine. C'est la parole de Dieu. It is the word of God. Dieu n'est pas blanc. God is not a white. Dieu n'est pas blanc. God is not a white. Dieu n'est pas noir. God is not a black. Dieu n'est pas jaune. God is not yellow. Dieu n'est pas rouge. God is not red. Dieu est Dieu. God is God. Il est esprit. He is spirit. Il est le commencement et la fin. He is the beginning and the end. Avant Dieu, before God, il n'y a rien. There's nothing. Et après Dieu, il n'y a rien. God, there's nothing. Un jour, one day, un homme de Dieu qui est rentré auprès du Seigneur, a man of God who went back to the Lord, il a commencé à pleurer. He started crying. Il était en prière. He was in prayer. Et il a commencé à pleurer. And he started crying. Il a dit Dieu. He said God. Les sons soumral est un blanc. Les sons soumral. Lesson Sumran is a white. Billy Graham est un blanc.
Billy Graham is a white. Taylor Swift est un blanc. Taylor Swift is a white. Rena Bonke est un blanc. Rena Bonke is a white. Oh Dieu. Oh God. Où est l'Africain? Where is Africa? Est-ce que le noir est maudit? Is the black curse? Oh Dieu. Oh God. Oh Dieu. Oh God. Pourquoi tu ne peux pas m'utiliser comme ces hommes? Why can you not use me like this man? Pourquoi tu m'as fait moi? Why do you make me black? Et Dieu lui a dit quoi? And God told him what? Il a répété. And he repeated. Pourquoi tu m'as fait naître moi? Why did you make me to be born black? Et Dieu lui a dit, je ne savais pas que tu étais noir. And God told him, I did not know you was black. Yes, yes. Amen, amen. C'est une histoire vraie. It's a true story. J'ai entendu ce témoignage de lui. I heard this testimony from him. De sa propre bouche. From his mouth. Dieu lui a dit, tu viens de me donner une information. But you may have done from giving me an information. Moi, je t'ai fait à mon image. I made you at my image. Et à ma ressemblance. My resemblance. Donc je ne savais pas que tu étais noir jusqu'à aujourd'hui. I thought you were black up to today. Est-ce que ça peut vous choquer que Dieu ne connaît pas votre couleur? Can it shock you that God does not know your color? Dieu God fait l'homme à son image. Made man at his image. Dieu n'est pas noir. But it's not black. Dieu n'est pas blanc. But it's not white. Dieu n'est pas rouge. But it's not red. Dieu n'est pas jaune. But it's not yellow. Il est esprit. He is spirit. L'homme man est un esprit. Is a spirit. Logé dans un corps. Living in a body. Et qui possède une âme. And that possess a soul. L'homme est fait à l'image de Dieu. Man is made at the image of que God. Que tu sois africain. Let you be an African. Que tu sois européen. Be an European. Que tu sois américain. An American. Que tu sois océanique. Or an oceanic. Tu es fait à l'image de Dieu. You are made at the image of God. La Bible est la parole de Dieu. The Bible is the word of God. La Bible n'est pas un livre imaginé. The Bible is not an imaginated book. Par quelques Européens. By some European. Mm-mm. No. C'est la parole révélée de Dieu. It is the revealed word of God. C'est pourquoi je crois à la Bible. That's why I believe in the Bible. Et je crois au Dieu de la Bible. And I believe in the God of the Bible. Je crois au Dieu de la Bible. I believe in the God of the Bible. Je crois au héros de la Bible. I believe in the hero of the Bible. Et ce soir, and tonight, je vais te parler du héros de la Bible. Let's talk about the hero of the Bible. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Le héros de la Bible. The hero of the Bible. Où passeras-tu l'éternité? Where shall you spend the eternity? Luke chapitre 16. Luke chapter 16. Je vais lire à partir de son verset 19. I'll read from verse 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. There was once a rich man who dressed in the most expensive clothes and lived in a great luxury every day. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'une serre et désireux de se rassasier des miettes qui tombait de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. There was also a poor man named Lazarus, covered with sores, who used to be brought to the rich man's doors, hoping to eat the bit of the food that fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick its sores. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. The poor man died and was carried by the angels to be seated, to sit beside Abraham and feast in heaven. The rich man died and was buried. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme, car je souffre cruellement.
cruellement dans cette flamme. And in haste, when he was in great pain, he looked up and saw Abraham from away with Lazarus at his side. So he called out, Father Abraham, take pity on me, and send Lazarus to dip his finger in some water and cool my tongue, because I am in a great pain in this fire. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. But Abraham said, remember my son, that in your lifetime you were given all the good things, while Lazarus got all the bad things. But now he is enjoying himself here while you are in pain. Besides all that, there is a deep pit lying between us, so that those who want to cross over from here to you cannot do so, nor can anyone cross over us from where you are. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. The rich man said, then I beg you, Father Abraham, send Lazarus to my father's house, where I have five brothers. Let him go and warn them, so that they at least will not come to this place of pain. Abraham répondit, ils ont au paquet et les autres prophètes. Qu'il les écoute. Abraham said, your brothers have Obakeh and other prophets to warn them. Your brothers should listen to what they say. No, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Obakeh, s'ils n'écoutent pas les autres prédicateurs, ils ne se laisseront pas persuader, même quand quelqu'un des morts ressusciterait. Amen, amen, amen. The rich man answered, that is not enough, Father Abraham. But if someone were to rise from death and go to them, then they will turn from their sins. But Abraham said, if they will not listen to Obakeh and the other predicators, they will not be convinced, even if someone were to rise from death. Amen. Quand l'enfer se mobilise pour le salut d'un homme, when hell mobilizes itself for the salvation of a man, cette histoire est racontée par Jésus lui-même. This story is being told by Jesus himself. Cette histoire est racontée par Jésus. This story is being told by Jesus. Jésus n'a jamais dit que c'était une parabole. Jesus never said it was a parable. Ce n'est pas le chien qui pense que c'est une parabole. Other people think that it's a parable. Ce n'est pas une parabole. It's not a parable. Jésus dit ce qu'il veut dire. Jesus say what he wants to say. Jésus dit ce qu'il veut dire. Jesus say what he wants to say. Que servirait-il? What will he serve a man? À un homme, a man, de gagner le monde, to win the entire world, s'il perd son âme, if he loses his soul, tu peux perdre ton âme. You can lose your soul. Il est possible de perdre son âme. It is possible for you to lose your Il soul. Il est possible de vivre. It is possible to live. Et à la fin de ta vie, and at the end of your life, au lieu d'être transporté dans le ciel, you being transported in heaven, par les saints, by the angels, tu seras enseveli. You will be covered. Yes. Amen. Il y a des gens, there are men, qui ne peuvent pas être ensevelis, who cannot be covered. Et il y a des gens, and there are other men, qui peuvent être ensevelis, who can be covered. Ma Bible dit, my Bible says, Lazare est mort. Lazarus died. Il a été transporté. And was being transported. Il a été transféré. And has been transferred. Lazare est mort. Lazarus Et il a été transporté. And has been
transported. But l'homme riche, the rich man, est mort. Died. Et il a été enseveli. And was being covered. Amen. Dieu va choisir. You choose ce que tu veux. What you want. À la fin de ta vie. At the end of your life. Moi qui te parle. I speaking to you. Le jour où je vais mourir. The day I will die. Je serai transporté. I will be transported. Écoute-moi. Listen to me. Je dis toujours à ma femme. I'm always telling to my wife. Où je vais fermer mes yeux. The day I will close my eyes. Même si vous pleurez. Even if you cry. Même si vous criez. Even if you shout. Même si vous vous déchirez. Even if you tear your shirt. Je ne reviendrai pas. I shall not come. Je ne peux pas mourir avant d'avoir fini ma mission. I cannot die before finishing. Mais quand j'aurai achevé ma mission. When I will end my mission. Je rentrerai à la maison. I shall go back home. Je serai transporté. I will be transferred. Je serai transporté. Je ne serai jamais enseveli. Vous ne pouvez pas m'enterrer. You cannot bury me. Il y a des gens qu'on n'enterre pas. People that we don't bury. Il n'y aura jamais d'enterrement. There will never be a burial. Vous ne pouvez pas enterrer Chopin. You cannot bury Chopin. Vous pouvez enterrer une couverture. You can bury someone. Vous pouvez enterrer une épave. You can bury a mais vous ne pouvez pas enterrer celui qui parle. You cannot bury the one who is speaking. Jamais. Never. La terre. The earth. Ne peut contenir un saint. Cannot contain a holy one. La terre. The earth. Ne peut contenir un saint. Cannot contain a holy one. La terre. The earth. Ne peut contenir un chrétien. Jamais. Never. Jésus a dit. Jesus said. Celui qui croit en moi vivra. Et même s'il meurt, il vivra. Si quelqu'un vit, et qui croit en moi. Il ne mourra jamais. Il sera transporté. Tu ne peux pas enseveler celui qui est transporté. Non. Tu peux faire une tombe pour une épave. Tu peux faire une tombe pour une couverture. Je vous ai dit ce matin que Jobin, ce n'est pas ça. Jobin, c'est l'esprit qui est là-dedans. C'est l'esprit qui est là-dedans. Vous ne pouvez pas enseveler Jobin. Parce qu'un jour, day, à l'âge de 10 ans, at the age of 10, je suis passé de la mort à la vie. I went from death je suis night. Passé de la mort à la vie. I went from death ma Bible night. Dit dans Jean au chapitre 5, et le verset 24, celui qui entend ma parole, et qui toi, celui qui m'a envoyé, ne verra pas la mort. Car il est passé. He went, il a été transféré. He has been transferred de la mort à la vie. From death to life. On peut ensevelir un mort. You can cover a death. On ne peut pas ensevelir un vivant. La Bible dit Lazare mourut. Et il fut transporté. Ah, quelqu'un dit transporté. Quelqu'un dit transporté. Quelqu'un dit transporté. Le riche mourut aussi. The rich equally died. Mais il fut enseveli. But he was being buried. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie. When you don't have Jesus in your life. La terre. The earth. Va te recevoir. Will receive you. Et c'est vrai. And it's true. Qu'on dise. That que la terre de tes ancêtres. That the earth of your ancestors. Soit légère. Mais ne peut jamais être légère. But she can never be. Excuse-moi. Just please excuse le poids de la terre est trop lourd. The load of the earth is so heavy. Tu demanderas à l'homme riche. You shall ask the rich man. Je peux voir les obsèques. I can see the pillars of the rich man. Je suis sûr qu'il y avait une fanfare. I'm sure that there were many things. Le cercueil a coûté des millions. The burial was cost thousands. Ah, il y avait des hommes pour transporter le cercueil. They were meant to carry it. Et tout le monde n'était pas admis à s'asseoir. Everybody was not admitted to sing. Non, 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 non. No, no. Les tentes étaient des tentes VIP. That tent was a VIP. Les chaises VIP. The chairs were VIP chairs. Il n'y avait que les amis. They were just friends. Les hommes ministrables. Les hommes ministrables. Les hommes grands de ce monde. The great people of this world. Et je suis sûr. And I am sure. Que même l'épouse du riche. That even the spouse of the rich. Ne pleurait pas comme il faut. Was not crying like she parce qu'elle devait se comporter. Because she needs to comport herself. Je suis sûr. I am sure. Je suis sûr. I am very sure. Que petit pasteur comme au paquet. Ne pouvait pas être appelé. Will not be called. Dans de tels obsèques. Il fallait l'évêque ou l'archevêque. We need an évêque. A bishop. Je sais.
know. Que ça vous plaise ou pas. Like it or not, je sais que certains d'entre vous attendent que le juif va mourir. Ne fait pas faire une messe. The tu iras en enfer avec la messe. You go to hell with your service. Le riche, the rich, ne peut pas manquer. Cannot lack. Qui va faire la messe? Going to do the service. Et on ne peut pas appeler n'importe quel pasteur. On a dû appeler le modérateur des églises du Cameroun. Et on lui a demandé, voici 500 000 pour ton transport. Alors le modérateur a pris sa plus belle soutane. Et les gens qui l'accompagnaient. And people following him. Chacun avait un papier réglé. Everybody had, he was well dressed. Parce que la mort d'un riche, c'est quand même la mort d'un riche. Because the death of the rich is also the death of the rich. Mais j'ai une petite chose qui va te choquer. I have a little thing that is going to shock you. La mort d'un riche, the death of the rich, n'est pas agréable à Dieu. It's not peaceful to God. La mort d'un riche, the death of a rich, n'a pas de valeur devant Dieu. Has no value in front of God. Mais la mort d'un juste. Mais la mort d'un juste, as-tu prié devant Dieu? La mort d'un juste, as-tu prié devant Dieu? Je peux comprendre. I can understand you. Combien de fois on a dit prions pour l'homme? Ah, vous connaissez, hein? Non. L'âme de notre frère. The soul of our brother. Léo Coco. Ah, c'était un homme bon. He was a good man. Même si Lazare était sous sa table. Even if Lazare was under his table. Et il ne s'est jamais occupé même de soigner les plaies de Lazare. I never took care even to. Ma Bible dit que c'est le chien. My Bible says it is the dog. Qui pensait Lazare? Who thought about Lazarus? Les infirmiers de Lazare étaient les chiens. The infirmities of Lazarus were dogs. Sous la table du riche. Under the table of the rich. Le jour où il est mort. When the day he died. Il a dit, le they say the man is that God. Tu sais combien cet homme était bon. You know how that man was good. L'Éternel ne regarde pas les péchés de notre. The Lord does not look the sins of our brothers. Mais quand tu as grande miséricorde. He has great mercy. Il déplaise à ceux que ça déplaise. Let it be. Cette prière ne peut jamais être exaucée. That prayer can never be exaucée. Parce qu'il est écrit. Because it is written. Qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi Dieu le jugement. From the judgment. Car. For. Il est réservé aux hommes. To de mourir une fois. To die once. Après quoi? And after. Yeah, le jugement. And from the judgment. Amen. Les péchés de notre frère. The sins of our brother. Chokoroka. Vont seulement l'amener là où ça doit l'amener. Will they bring him where it's going to bring him? Si tu veux changer ta destinée. You want to change your destiny. Tu vas la changer pendant que tu es vivant. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Dieu, God, n'a pas besoin des morts. Don't need them. Il s'occupe des vivants. He takes care of those who are living. Lazarus mourut. Died. Il fut transporté. And was transported dans le ciel. In heaven. Le riche, the rich, mourut, died. Il fut, and he was, enseveli, covered, ou encore porté en terre, or carried in earth, under the earth, porté en terre, carried in the earth. Quand tu es enseveli, when you are covered, tu ne peux jamais monter. You can never climb up. Tu vas continuer ton voyage vers le bas. You continue your journey till down.
Lazare est arrivé à destination. Lazarus went to his destination. Pour votre information, for your information, le riche aussi est arrivé à destination. The rich body arrived at destination. Est-ce que je peux vous choquer un peu? Can I shock you? Avec beaucoup de respect. With a lot of respect. Il n'y a pas eu esclave. There was not no shock. Excusez-moi. Please excuse me. Il n'y aura pas d'escale dans un lieu appelé purgatoire. There will be no shock in a place called purification. Le purgatoire n'existe pas. Purgatory does not exist. C'est une invention de l'Église. It's an invention of the church. C'est une invention des hommes. It is an invention of men. Ma Bible dit. My Bible says. For il est réservé aux hommes. It is reserved to de men. De mourir une seule fois. To die just once. Après quoi? And after. Vient le jugement. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Verset 24. Verset 24. Il est réservé au sang de mourir une seule fois. Après quoi? Viens comme le jugement. The judgment. Pas le purgatoire. Not the purgatory. Ma fille. My daughter. Pas le purgatoire. Not the purgator. Pas le purgatoire. Après la mort, after death, c'est le jugement. Pas le purgatoire. Il n'y aura pas d'escale. No ah, je vais dire à quelqu'un ce soir. L'avion. L'avion, la fusée de la mort n'a pas d'escale. No shock. Le vol the flight, qui s'appelle la mort n'a pas d'escale. No shock. Quand tu meurs par accident, il n'y aura pas d'escale. Quand tu meurs par maladie, il n'y aura pas d'escale. Quand tu meurs par violence, by violence, il n'y aura pas d'escale. No, il y a un autre mensonge lie que j'ai suivi that I heard dans l'église depuis mon enfance. In church till from my childhood. Ah, moi je veux que quelqu'un me tue. I want somebody to kill me. Parce que la Bible dit que si quelqu'un te tue, c'est péché. Les péchés vont retomber sur lui. Mensonge. Après la mort, after death, tu seras jugé. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Après la mort, after death, vient le jugement. Shall come the judgment. Il n'y aura pas d'escale. Be no shock. Il n'y aura pas de transfert de péché. Be no transfer. Il n'y aura pas de transfert. Be no transfer. Si un bandit te tue, if a thief kills, tu reprendras pour tes péchés. You shall answer for your sin. Non, comme il est mort par accident. Vraiment, Dieu a bien fait God parce que vraiment ses péchés vont être transférés sur le chauffeur. Je pense que tu penses que le ciel c'est le palais de justice. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Ah, je te dis ce soir au nom de Jésus. Il n'y a pas de transfert de péché. Et il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Dans les 66 livres de la Bible, il n'y a aucun livre qui dit que les âmes peuvent rester dans un lieu appelé purgatoire. Et les offrandes de leur famille et les prières de leur famille vont laver leur péché et les amener au ciel. C'est un mensonge. N'en déplaise à certains. C'est le mensonge qu'on va dire en secret. La vérité se dit publiquement. Et si quelqu'un a le concret, qu'il m'apporte sa Bible, qu'il m'apporte cela dans sa Bible, et je ne prêcherai plus jamais. Cessez de mentir. Stop lying à mon peuple. To my people. Cessez de conduire les gens en enfer. Stop bringing people to hell. Arrêtez ça. Stop that. Si tu continues dans ton péché, if you continue in your sin, ton péché te conduira en enfer. Your sin will bring you to hell. Non.
Non, quand l'homme meurt, no, when a man died, il va passer dans une autre vie. You go in another life. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. No reincarnation. Tu comprends? Are you getting that? Tu ne peux jamais devenir un oiseau. You can never become a bird. Tu ne peux jamais devenir un animal. You can never become an animal. Il est une autre personne. Be another person. Je dis qu'il n'y a pas de réincarnation. No reincarnation. Toute personne qu'on vous montre, qu'on réincarne est un démon de l'enfer. Demon from hell. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu n'as qu'une vie. Help me tell someone, you have just one life. Et la vie n'a pas de rattrapage. And life does not. Va dire à quelqu'un. Life does not have a catch up. Si tu t'amuses avec ta vie. If you joke with your life. Et qu'elle est rompue. And that it is broken. C'est terminé. It is finished. Il n'y a pas de rattrapage. And there is no catch up of life. Le riche. The rich. Aller à l'église. Was going to church. Dis pasteur comment je fais. Say pastor, how do you know that? Ah, dis le fort. Dis say it loudly. Je le sais. I know him. Pourquoi? Why? Parce que le gars là. Because that guy. Papa. That il a reconnu Abraham. He knew Abraham. C'est un gars qui allait à l'église. Was going to church. C'est lui qui avait conçu l'église du village. He opened the church of the village. C'est lui qui donnait la plus grosse dîme à l'église. He gave the most greatest tithe in the church. Mais dans la même église. But in that same church, il arrachait les femmes des autres. Was taking people's wine. Et le pasteur ne lui disait rien. The pastor told him nothing. Il avait un type. He had a great place. Conseiller paroissial. The greatest counselor. Malgré que tu es en tutelle. Parce que ta poche repose, ça va. Tu n'iras en enfer avec ton tutelle. Tu iras en continue. Continue. À t'appuyer sur ton titre. Hold yourself on the post. Ton titre t'accompagnera en enfer. Your post is going to bring you to hell. Et tu entreras avec ta grosse Bible, amen. And you go with your big Bible in your hand. Tu vois que le riche n'avait pas la Bible. He had a Bible. Je suis sûr qu'il était malade, on a mis la Bible sous l'oreille. Sure when he was sleeping, he put the Bible under his pillow. Les ignorants. Ignorant. Il n'y a pas la parole dans son cœur. There's not a word in his heart. Mais il y a la parole sous l'oreille. But there's a word under the pillow. Et là, la mort a bien giflé. And the angel of death slapped him very well. Continue à mettre la Bible sous l'oreille. Continue putting the your Bible under the pillow. Les démons vont bien te tabasser avec ça. Beat you very well. La place de la Bible, ce n'est pas sous l'oreille. The Bible is not under your pillow. La place de la parole de Dieu, c'est dans ton cœur. In your heart. C'est dans ton cœur. In your heart. Cette parole est plus puissante dans ton cœur que sous ton oreille. And under your pillow. Yes. Yes. Le riche, the rich, mourut, died, et il fut enterré, and was buried. Et le voyage a continué, and the journey continued. Il est arrivé à l'enfer. He went to hell. Ah, permettez-moi d'aller vers la fin. Permit me to go towards the end. Monsieur est arrivé en enfer. The man went to hell. Et il dit lui-même. And he says himself. Je souffre cruellement dans cette flamme. I am suffering in this flame. À l'âge de 13. At the age of 13. J'étais âgé de 13 ans. I had 13 years old. Et un 31 décembre. And the 31st of December. Jésus est venu dans ma chambre. Jesus came in my room. Il m'a pris par la main. He held me by the hand. Et il m'a dit. And told me. Je vais te montrer. I want to show you comment finira ce monde. How shall end this world? Vous savez pourquoi je ne suis pas attaché aux richesses du monde? Do you know I'm not attached to the riches of this world? Il n'y a rien que peut m'enlever sur cette terre qui peut me prendre. There's nothing I can remove from this earth that can shake me. Essayez si vous voulez. Try it one and you see. J'ai vu le monde. I saw the world. Et Jésus me tenait par la main. I thought it was holding me by et nous étions en train de marcher. And we're walking. Il m'a dit. He told me. Regarde. Look. Ce qui va se passer. What is going to happen? Et nous étions montés. And we climbed. Et le monde. And the world. Était devant nous. Was in front of comme us. Comme une plateforme. Just like a platform. Et il m'a dit regarde ce qui va and se passer. Me, look what is going to happen. J'ai vu le feu tomber du ciel. I saw fire coming down from heaven. J'ai vu le monde embrasé. I saw the world being j'ai vu les immeubles brûler.
I saw buildings burn. J'ai vu les voitures brûler. I saw cars being burned. J'ai vu la violence. I saw violence. Les hommes poursuivent. People meant to leur avec des poignards. J'ai vu des meurtres. J'ai vu des avortements. J'ai vu la sorcellerie, la magie, tout ce que vous pouvez penser de pire. C'était terrible et horrible. It was horrible and terrible. Puis l'ange est venu. Then the angel came. Et il a ouvert. And he opened. C'était comme une marmite. It was like a pot. Il a ouvert. Open au centre de la terre. At the center of the il earth, a enlevé le couvercle. He removed the lid. Et j'ai vu l'enfer. And I saw hell. Et toutes ces choses. And all those things. On commence à se déverser en enfer. That's falling in hell. Les hommes étaient en train de fuir. Men were running. Mais la puissance de Dieu les ramenait dans l'enfer. The power of God was bringing them j'ai back vu l'enfer de mes yeux. I saw hell with my eyes. J'avais 13 ans. I had 13 je me suis levé en courant. And je suis rentré en courant dans la chambre de mon père. Je n'ai jamais eu aussi grande peur. I never had such a great fear. Jésus m'a dit voici la fin. Jesus told me this is the end de toutes ces richesses. Of all these riches. J'ai rien contre la richesse. I have nothing against riches. Mais si tu t'appuies sur la richesse, but if you hold yourself on wealth, tu sauras un jour you'll be one day que l'argent ne peut pas te sauver. That money cannot save you. Dieu te bénisse, mon frère. Let God bless you, my daughter. L'argent ne sauve pas. Money does not save. L'argent ne sauve pas. Money does not save. Je peux te choquer aussi. Can I shock you again? La pauvreté ne sauve pas aussi. Poverty does not equally save. Mais les pauvres qui croient qu'ils seront au ciel. That some poor thing will go to heaven. La pauvreté n'est pas le visa pour le ciel. The poverty is not a visa to heaven. Lazare ne signifie pas pauvre. Lazare does not mean poor. La petite y avait un pauvre. The poverty that they had was a poor. Lazare. Called Lazarus. Ah, dit un pauvre. Say a poor. Nommé Lazare. Named Lazarus. Écoute-moi. Listen to me. Cet homme était sauvé. That man was saved. Pas par sa pauvreté. Not because of his poverty. Mais par son identité. But by his identity. Ah. Oh. Lazare. Lazarus signifie means l'homme the man que Dieu that God a secouru. Has helped. L'homme the man que Dieu that God a secouru. Has rescued. Lazare, le pauvre, était sauvé parce que pendant sa vie sur terre, il a mis son espérance en Dieu. Et God. Dieu l'a secouru. God ta pauvreté your ne t'amènera nulle part ailleurs qu'en enfer. Non, no. Heureux les pauvres. Happy at the poor. Ça c'est quelle Bible ça? Which Bible is that? Heureux les pauvres. Happy at the poor in spirit. C'est-à-dire les humbles. Meaning the humble. C'est-à-dire les humbles. Meaning the humble. Et pour votre information, les pauvres ne sont pas humbles. The poor are not humble. D'ailleurs. Besides, ils n'ont même pas l'occasion. They have the occasion. To have pride. Ils réussissent quand même à être orgueilleux. But they still have the opportunity to have pride. Jamais vu un pauvre orgueilleux. Have you ever seen a poor person that has pride dans le vide? To call prideful men empty. Oh. La pauvreté. Poverty n'est pas un visa pour le ciel. Not a visa for heaven. Donc quand on dit heureux les pauvres, là, c'est pas heureux ceux qui manquent. But it's happy at the poor is not. C'est heureux happy. Les humbles. Happy as the humble. The poor in spirit. Les humbles. The humble. Car for le royaume de Dieu est à eux. The kingdom of God belongs to them. Abraham n'était pas pauvre. Abraham was not poor. Et pourtant il était dans le ciel. Why he was in heaven? Jacob n'était pas pauvre. Jacob was not poor. Et pourtant il est dans le ciel. But he's in heaven. David n'était pas pauvre. David was not poor. Et il est dans le ciel. But he's in heaven. Daniel n'était pas pauvre. Daniel was not poor. Et il est dans le ciel. But he's in heaven. Lazarus, l'homme que Dieu a secouru, the man that God, l'homme qui a mis sa confiance en Dieu, the man that placed his hope in God, la Bible dit, my Bible says, le riche a regardé, the rich looked, bien aimé l'enfer existe, beloved one hell exists, le riche dit qu'il était dans une flamme, the rich said he was in flames, l'enfer c'est le lac de feu,
The hell is a lake of fire. Le lac de feu. The lake of fire. Permettez-moi de vous décrire un peu la vie en enfer. Let me tell you the life in hell. Ceux qui entrent en enfer. Those who enter in hell. Brûlent. Shall burn. Sans être consumés. Without being consumed. Ils brûlent. They burn. Sans être consumés. Without being consumed. Je ne sais pas si tu as déjà eu une brûlure. I don't know if you already have a burn. Ils ressentent cette douleur. They feel that pain. Pendant l'éternité. Mais jamais ils ne sont consumés. They are never consumed. Le riche était en train de dire, the rich was saying, Père Abraham, Father Abraham, je suis fatigué de cette douleur. I am tired of this pain. S'il te plaît, please, je ne veux pas un verre d'eau. Je veux une goutte d'eau. Just a drop. Un homme. A man. Qui ne buvait même pas l'eau de Kamwata. That was even drinking water from Kamwata. Chez lui. In his house. Tangi ou supplément. Tangi was drinking Tangi or supplement. Il ne veut pas les nouvelles sorties. He don't want the new things. Il demande un goutte d'eau. He's just asking a drop. Envoie Lazare. Send Lazarus. Qu'il trempe son doigt. Let him drop his hand. Non, ne perds pas le temps pour chercher le verre. Let him try to look for it. Qu'il trempe le doigt. Let him just drop his hand. Et quand il va venir, c'est qui va rester? When he come out, he's going to si say. Si ça tombe dans ma gorge. If it falls in my throat. Ça va me suffire. It will be enough for me. Abraham lui dit non. Abraham told him no. Non. No. Pas de consolation pour le méchant. No consolation for the wicked. Ma petite, pas de paix pour le méchant. No peace for the wicked. La récompense du méchant, c'est le tourment. The reward of the wicked is torment. Pense à cela. Think about that. C'est sérieux. It is serious. C'est pour l'éternité. It is for eternity. Il n'y aura pas d'arrêt. There will be no stop. Abraham lui dit non. Abraham tells him no. C'est impossible. It is impossible. Personne ne peut quitter le ciel. Nobody can leave heaven. Pour l'enfer. To hell. Nul enfer. No hell. Pour le ciel. To heaven. Écoute-moi. Listen to me. Il n'y aura aucun prédicateur. There will be no predicator. Qui viendra en enfer pour délivrer ton âme. That shall call go to hell to deliver your soul. Comment peut te mentir? As they can lie que les prières de ta famille vont te sauver. And the prayers of your family will save you. Abraham qui est dans le ciel. Abraham that is in heaven. Donne la loi. Give the law. La loi de l'éternité. The law of eternity. Chacun reste là où il a atterri. Can anyone stay where he was? Tu atterris au paradis, tu restes. You arrive in heaven, you stay in heaven. Tu atterris en enfer, tu restes. Arrive in hell, you stay in hell. On ne change pas. Don't change. Cesse d'acheter les prières pour tes parents qui sont morts. Sauve ton âme. Stop buying prayers for your parents that died. Save your soul. Ils recevront ce qu'ils ont choisi sur la terre. See what they choose on earth. Yes. Cesse. Stop. De perdre ton argent. Losing your money. Ton argent ne va nulle part. Your money is going nowhere. Ça ne va que dans le ventre des menteurs. It's going in the stomach of liars. Yes. N'en déplaise à certains. Appealing to someone. Ça ne te plaît pas, ne viens pas demain. It does not please you, cannot come tomorrow. Mais écoute quand même la vérité aujourd'hui. But listen to the truth today. Parce que ça peut sauver ton âme. Because it can save your soul. Bien aimé. Beloved one. Il n'y a pas de transfert. There's no transfer. Entre le ciel et l'enfer. Between heaven and earth and hell. Between hell and heaven. Pas de transfert. No transfer. Il a dit Père Abraham. He said, Father Abraham. Je comprends. I understand. Mais il y a quelque chose. But there is something. Est-ce que? Is there? D'ici. Here. D'ici en enfer. From here in heaven. Je peux quand même. Can I at least? Commander une campagne d'évangélisation dans mon village. Can I just command a campaign of evangelization la in my village? La seule chose qui me plaît sur l'homme riche, c'est ça. The only thing that pleased me on the rich man is that. Il a pris conscience, mais il était trop tard pour lui. He took conscience, but it was very late for him. Mais il a su. Il y a des gens qui peuvent that can encore avoir la grâce. Still have the grace. C'est de toi et moi qui parlait. It is about you and I was pendant speaking. Que tu vis, as you are living, la grâce est possible. Grace is still possible. La grâce est possible. The grace is still possible. Oh, Père Abraham. Oh, Father Abraham. Peux-tu envoyer Lazare? Can you send Lazarus? Vers la maison de mon père. Towards my father's house. Peux-tu envoyer Lazare dans mon village? Can you send Lazarus to my village? Mes frères vont le reconnaître. My brothers would know him. Quand il venait chez moi, when he was coming to my house, il le voyait sous ma table. He was seen under my
my people, ils vont le reconnaître. They will know him. Je leur avais même dit que Lazare était mort. I said that Lazarus died. Hey, Père Abraham, oh, Father Abraham, peux-tu avoir pitié de mon village? Will you have pity upon my village? Peux-tu avoir pitié de mon village? Will you have pity upon my village? Commande. Command. Je commande. I command. Oh Père Abraham. Oh Father Abraham. Je fais une commande pour mon village. Make a command for my village. Je fais une demande pour mon village. Make a demand for my village. Organise une campagne d'évangélisation à Colmessin. Et le prédicateur sera Lazare. And the preacher will be Lazarus. Abraham, s'il te plaît. Abraham, please. Organise une campagne à Colmessin. Like a campaign at Colmessin. Et le prédicateur. And the preacher. Ce sera Lazare. Will be Lazarus. Qui est mort hier. Who died yesterday. Il a dit ces choses. You tell them these things. Abraham lui a dit. Abraham told him. Je vais étudier le dossier. I'm going to see, look that case. Et voici la réponse. And this is the answer. C'est possible. It is possible. Organiser la campagne, c'est une bonne idée. Organizing a campaign is a very good idea. Mais seulement. But only. Il y a le docteur Obake là-bas. There's Dr. Obake there. Yes. Organiser la campagne, comme ça, je suis d'accord. Okay, I'm okay with that. Je vais t'accorder ça. I'll give you that. Je vais t'accorder ça. I'm going to give you that. Du 18 juillet 2021. The 18th of July 2021. Jusqu'au 24. Up to the 24th. 2021. Chaque soir, each night, il y aura une campagne d'évangélisation. Un message évangélique. À Colmessin. Mais ce que je ne peux pas t'accorder. Tu as quelqu'un, il y a des choses que Abraham ne peut pas t'accorder. Je ne peux pas t'accorder. Ce qui n'est pas inscrit. Written dans la loi in the law du ciel. Of heaven. Lorsqu'on entre dans le ciel, when we enter in heaven, on va dans le repos. We go in rest. On ne sort pas pour travailler. Don't go out to work. On ne sort plus pour travailler. Don't go out again to work. Lazare a fini. Lazarus has finished. Le combat de Lazare s'est terminé. Lazarus battle is out. Lazare est resté dans le repos. Lazarus enter in the rest. Je vais changer de prédicateur. I'll change the preacher. Là-bas, Colmessin. There at Colmessin. Je vais envoyer le docteur Obake. I'll send Dr. Obake. C'est pourquoi je suis là. That's why I'm here. Tu sais pourquoi je suis ici? You know why I'm here? C'est parce que tes parents qui sont en enfer ont commandé une campagne d'évangélisation pour toi. Because your parents in hell command a campaign of evangelism for you. Excuse me. Mais ma bouche là. My mouth. Ça dit la vérité sans trembler. He says it tells the truth without trembling. Je répète que je suis ici. I repeat, I am here. Parce que tes parents qui sont en enfer. Because your parents are in hell. Ont commandé. Commanded. Une campagne d'évangélisation. A campaign of evangelization. Et je suis. And I am here. Pour ton salut. For your salvation. Pour que toi. So that you. Tu n'arrives pas là-bas. You do not go there. Je t'apporte le message de l'enfer. I'm bringing a message of hell. Ne viens pas ici. Don't come here. Qu'ils ne viennent pas ici. Let them not come here. Voici le message que je t'apporte. Here is the message I bring. Je l'ai entendu. I heard it. De tes parents qui sont en enfer. From your parents which are in hell. Père Abraham. Father Abraham. Envoie-les Lazare. Send them Lazarus. Pour qu'ils leur attestent ces choses. For him to give them those things. Afin qu'eux aussi. So that also them. Ne viennent pas ici. Do not come here. Et Abraham a dit. And Abraham said. Oui. Yes, je suis d'accord. I'm okay with that. Pour les soirées évangéliques, for the evangelization, ils en auront. They shall have it. Mais but le prédicateur, the preacher, c'est pas Lazare. It's not Lazare. Lazare est déjà mort. Is already dead. Laisse Lazare se reposer. Allow Lazarus to rest. Il est entré dans la gloire. He entered in glory. Il est entré dans la gloire. He entered in glory. Mais Dr. Obake est là. Dr. Obake is dead. Il a encore un peu de temps. A little bit of il a encore du temps. Time. Il avait te parlé. Il te donnera un message. S'ils écoutent ce message, ils seront sauvés. Je suis venu ce soir pour te donner un message. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Si tu crois en Jésus,
believe in Jesus, tu vivras. You shall live. Si tu crois en Jésus, you believe in Jesus, tu sauveras ton âme. You shall save your soul. Tu ne verras point la mort. You shall not see death. Tu ne verras point la mort. You shall not see death. Tu ne verras point la mort. You shall not see death. Oh, en août 1984, in August 1984, petit garçon, a little boy. Et j'ai entendu un message. And I heard a message. Comme celui-ci. Just like this one. Et le prédicateur. And the preacher. Était un jeune homme. Was a young man. Aujourd'hui. Today. C'est un homme âgé. It's an old man. Ce matin. This morning. Il était ici. He was here. Mais en août 84. But c'était un jeune homme. He was a young je crois qu'il pesait moins de 80 kilos. Was il prêchait. He was preaching. Je prêche ce soir. As I'm preaching tonight. Il a dit. Like he said. Qui veut recevoir Jésus. Who wants to receive Jesus? Et sauver son âme. And save his soul. J'étais assis. I was seated. Comme ma fille. Like this, my daughter. Là. Here. Je ne peux pas oublier ma place. Like I cannot forget my place. Exactement. Exactly. Le message m'avait touché. The message touched me. J'avais les larmes, monsieur. Ah, yes. J'étais tout petit. I was very small. Je n'avais que 10 ans. I just had 10 years. Et je me suis avancé. And I went for. Jésus m'a accueilli. Jesus welcomed. Jésus m'a accueilli. Jesus welcomed. Cela fait 37 ans. Que Jésus m'a accueilli. Il ne m'a jamais laissé. He never leave me. Ce soir, tonight, j'ai une bonne nouvelle pour toi. I have a good news for la you. Main de Dieu est tendue. The hand of God is stretched. Veux-tu recevoir Jésus? Do you want to receive Jesus? Veux-tu recevoir Jésus? Do you want to receive Jesus? Veux-tu te sauver de l'enfer? You want to save yourself from hell? De loin ou de près? Near or far? Toi qui m'entends ce soir, you listen to me si tu veux dire, if you want to say, Jésus. Jesus, tiens dans mon cœur. Come in my heart. Et sauve-moi de la mort. And save me from death. Lève-toi là où tu es. Rise where you are. Avance-toi, je veux prier pour toi. Come forward, I want to pray for you. Oh, voici l'heure de la décision. Of the decision. J'avais 10 ans. I had 10 years. J'ai pris cette décision. I took that decision. Toi, tu peux le faire ce soir. Can equally do it tonight. Où que tu sois. Wherever you are. Je veux Jésus. I want Jesus. Je veux Jésus. I want Jesus. Y a-t-il quelqu'un ce soir is there someone qui me dit je veux Jésus? Want to say, I want acclame Jesus. Le Seigneur alors qu'il s'avance. Je veux Jésus. I want Jesus. Tiens mon frère. From my brother. Tiens mon from my son. Tiens ma fille. From my daughter. Tiens ma soeur. From my sister. Jésus est ici. Jesus. Acclame le Seigneur pendant qu'il s'avance. Je veux Jésus. I want Jesus. Je veux sauver mon âme. Je veux sauver mon âme. I want to je veux Jésus. I want viens maintenant. Come now. Viens maintenant. Come now. Voici le jour the day de ton salut. Of your voici l'heure the hour de la décision. Of the viens. Come. Lève-toi. Rise. Viens. Come. Jésus t'attend. Jesus is waiting for you. Jésus t'attend. Jesus is waiting. Jésus t'attend. Jesus is waiting. Viens ma fille. Come, my daughter. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Je veux Jésus. I want Jesus. Je veux Jésus. Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Viens à Jésus. 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 Chante. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Viens à Jésus. Lève-toi. Ton église ne te sauveront pas. Tes parents ne te sauveront pas. Tes prières du pasteur ne te sauveront pas. Jésus est ton sauveur. Viens à Jésus. Saisis sa main ce soir. Saisis sa main ce soir. Tu peux encore venir. Jésus te tend la main. Lève-toi. Prends courage. Jésus t'appelle. Viens. 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 La grâce va s'arrêter bientôt. Viens à Jésus ce soir. Viens à Jésus ce soir. Viens à Jésus ce soir. Je veux Jésus.
Jésus. I want Jesus. Je veux Jésus. I want Jesus. Je veux Jésus. I want Jesus. Je veux Jésus. I want Jesus. Où que tu sois. Wherever you are. Lève-toi. Right. Viens. Come. Jésus est ici. Jesus is here. Il va t'accueillir. Welcome you. Ne regarde pas ton voisin. Don't look at your neighbor. Ne regarde pas ton voisin. Don't look at your regarde ton cœur. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Viens à Jésus. 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 Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Tu as brisé ton alliance avec Dieu. Tu sais que tu n'es plus enfant de Dieu. Tu as renoncé à ton engagement. Ce soir, Jésus est ici. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour elle. Viens à Jésus. Viens sauver ton âme. Tu es signé. Prends ton visa pour le ciel. Acclame le Seigneur. Pour ces personnes qui s'avancent. Viens à Jésus. C'est maintenant. Viens, ton alliance. Viens à Jésus. Il n'y a pas de solution. Loin de Jésus. Loin de Jésus. Ton titre ne te sauvera pas. Ton église ne te sauvera pas. Non. C'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi en Christ qui te sauvera. Viens à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Viens à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Viens à Jésus. Viens à Jésus, mon frère. Viens à Jésus, ma soeur. Viens à Jésus, mon fils. Viens à Jésus, ma fille. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il y a de la joie au ciel. Pour un péché qui se répand. Il y a de la joie au ciel. Viens à Jésus. Toi aussi, Jésus t'appelle. Toi aussi, Jésus t'appelle. Toi aussi, Jésus t'appelle. Toi aussi, Jésus t'appelle. N'hésite pas, lève-toi. Viens. Prends courage. Il t'appelle. Il va te sauver. Je vais compter jusqu'à 5. Viens à Jésus. La porte est encore ouverte. 1. La porte est ouverte. La chorale te dit un seul pas. Jésus te recevra. Un seul pas, mon frère. Just one step, my brother. Oh, Seigneur. Pose ta pensée. Deux. Viens à Jésus. Come to Jesus. Viens à Jésus. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Le salut, c'est maintenant. Il dit maintenant. Si vous entendez sa voix, Matthieu, si ce n'est pas votre cœur. Matthieu, si pas ton cœur. Viens à Jésus. Vois. Viens à Jésus. Lève-toi. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Lève-toi. Toi. Lève-toi. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Four. Bientôt. La porte sera fermée. La porte sera fermée. Que servira-t-il à un homme? Que cahier le nom d'Adieu. S'il perd son âme, qu'il te servira de tailler les richesses de ce monde, les honneurs de ce monde. Si tu perds ton âme à la fin, viens à Jésus. Y a-t-il encore quelqu'un ce soir qui veut dire Jésus, j'ai besoin de toi. Viens, viens, Jésus t'attend.
Jésus t'attend. Jésus t'attend. L'heure. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame le Seigneur pour elle. Tu as besoin de Jésus. 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 5. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci. Thank you. Le psalmiste de la moisson. The psalmist of the harvest. Merci. Thank you. Merci pour votre grande contribution. Thank you for your great contribution. Pour le salut des âmes. For the salvation of souls. Pour les décisions qui ont été prises ce soir. For the decision taken tonight. Écoute-moi. Listen to me. Le jour où j'ai reçu Jésus dans mon cœur. The day I received Jesus in my heart. Ce n'était pas le premier jour que j'allais à l'église. Was not the first day I was going to church. Quand je suis né. When I was born. Mon père. My father. Était pasteur. Was a pastor. J'ai été conduit à l'église depuis mon enfance. I was being brought to church still from my childhood. Mais je n'étais pas sauvé. But I was not saved. On peut aller à l'église sans être sauvé. You can go to church but not being saved. Mais le jour où j'ai entendu l'évangile. But the day I heard the gospel. Mon cœur s'est ouvert. My heart opened. Et j'ai reçu Jésus. And I received Jesus. Ce jour-là. That day. Ma vie a changé. My life changed. Ta vie va changer ce soir. Your life will change tonight. Ta vie va changer ce soir. Your life will change tonight. Depuis ce jour. Since that day, je n'ai plus jamais été à l'aise dans le péché. I was never again at ease in sin. Tu ne pourras plus jamais être à l'aise dans le péché. You will be never at ease at ce soir. Again. Tonight, ce soir. Tonight, que tu sois venu te reconnecter à Dieu. Whether you came to reconnect. Que tu aies ouvert ton cœur pour recevoir Jésus pour la première fois. Open your heart to receive Jesus for the first time. La puissance de la croix. The power of the cross. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Va agir dans ton cœur. Will work in your heart. Je l'appelle le ministre B. I'll call for the minister B. Pour prier pour vous. To pray for you. Mais avant cela, but before je vous conduis dans la prière de repentance. I will lead you in the prayer of repentance. Place your hand on your heart. Lève l'autre main dans le ciel. And raise the other one to heaven. Lève l'autre main dans le ciel. Raise the other one to heaven. Dis avec moi Jésus. Say with me Jesus. Oh, dis le fort Jésus. Say now Jesus. Me voici. Here I am. Ce soir. Tonight. J'ai entendu ta parole. I heard your word. Mon cœur est touché. My heart is touched. Je reconnais. I acknowledge que je suis pécheur. That I am a sinner. Pardonne-moi, Jésus. Forgive me, Jesus. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. Lave-moi. Wash me. Dans ton sang. In your blood. Lave-moi, Jésus. Wash me, Jesus. Lave-moi. Wash me. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Change mon cœur. Change my heart. Change mon cœur. Change my heart. Fais de moi. Make of me. Une nouvelle créature. A new creature. Par la vertu. By the virtue du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Jésus. Jesus. Ce soir. Tonight. La main levée. The hand lifted. Je déclare. I declare. Que tu es mon sauveur. That you are my savior. Et le maître de ma vie. And the master of my life. Et cette décision. And this decision. Je déclare. I declare. Qu'elle est irrévocable. That it is irrevocable. Jésus. Jesus, ma décision, my decision, ce soir, tonight, est irrévocable. Is irrevocable. Je t'appartiens. I belong to you. Je t'appartiens. I belong to you. Fais de ma vie. Make of my life. Ce qui te plaît. What pleases to you. Merci Jésus. Thank you Jesus. Amen. Amen. Je vais appeler le ministre B. I'll call for the minister B. Qui va prier pour vous. We'll pray for you. My father, mon père, I give you thanks and praise for holy name. Je te remercie et je bénis ton saint nom. Say in your word, car tu dis dans ta parole, that there is joy in heaven. Qu'il y a de la joie au ciel. Only the repentance of one soul.
pour la repentance d'une âme. Today there is more than one soul. Mais aujourd'hui il y a plus qu'une âme. Father, glory be to your name in the mighty name of Jesus. Gloire sera ton nom dans le nom de Jésus. My voice and I pray. Mais je lève ma voix et je prie. It's not just a matter of repentance. C'est pas juste un manque, c'est pas un affaire de repentance. It's a matter of the identity in Christ. Mais affaire de retenir l'identité en Christ. Father, in this war with you, oh God, mais en avec cette bataille avec toi, may you fortify them. Que tu les fortifies. May you strengthen them. Que tu les fortifies. May your spirit lead and direct them. Que ton esprit les conduit et les dirige. He shall never leave them. Lord, tu ne les abandonneras jamais. Fulfill your word. Mais accomplis ta parole. In the midst of darkness, may you be with them. Dans les ténèbres, que tu sois avec even eux. Even in light, will you sustain them. Même dans la lumière, soutiens-les. You say in your word. Tu dis dans ta parole. He will never put his hand in the plow. Que quiconque met sa main dans le backwards. Et rentre en arrière. Is not fit for the kingdom. N'est pas digne pour le royaume. In this work, oh God. Mais en cette œuvre, oh Dieu. Fortify them. Mais fortifie-les. Strengthen them. Mais what you say in your word. Dans ta parole. A dog that has vomited does not return in his vomit. Un chien qui a vomi ne retourne pas ses vomissures. A pig that has been washed does not go back into the mouth. La peau qui a été lavée ne retourne pas à la boue. Abide in your presence. Mais qui demeure dans ta présence. Abide in your presence. Qui demeure dans ta présence. Your spirit, oh God. Conduis pas ton esprit. Let them continue toward this walk. Qu'ils continuent vers ce marche. Father, I thank you. It is possible. Père, je te remercie car c'est possible. Blessed be your holy name. Béni soit ton Saint-Nom. As we pray. Comme nous prions. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez vous tourner. You turn yourself. Suivez cet homme qui est. Follow that man that is just behind you. Celui qui est derrière vous. The one that is behind you. Frère Joseph. Brother Joseph. Suivez-le. Just follow him. Suivez-le. Just follow him. Il vous conduira quelque part. He shall bring you somewhere. Il y a des personnes qui vous attendent.